Do you feel the vibe? Salut les amis, c'est Delta, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série que je vous avais promis. J'avais annoncé mon programme début 2015 et je vous avais annoncé une petite série dans laquelle j'allais présenter certains jeux qui me tiennent à cœur et même certains jeux qui ont marqué mon enfance. J'en avais parlé aussi dans la FAQ et aujourd'hui ça sera l'occasion de vous présenter la série Ratchet & Clank et plus particulièrement le 9e jeu de la saga qui s'intitule A Crack in Time. Donc ce jeu met en scène Ratchet, un Lombax ayant sauvé plusieurs fois la galaxie, et son compagnon Clank, un robot très intelligent qui se découvre une nouvelle mission au fil du jeu, donc qui est gardien du temps. Alors ces deux protagonistes sont séparés pour la première fois dans ce jeu. Ces deux personnages ont en effet été séparés par les Oni, une sorte de créature extraterrestre, au cours du jeu Opération Destruction, donc qui est le 7e jeu de la saga. Et du coup, dans ce jeu, ces deux personnages vont essayer de se retrouver. Donc Clank a été capturé par Nefarious, l'ennemi principal de ces deux personnages. Il a été mis dans la grande horloge, puisque Nefarious veut lui-même remonter le temps grâce à Clank, pour ensuite pouvoir changer le passé, et ainsi pouvoir dominer ces deux personnages. Au début du jeu, Clank s'échappe, il sera ensuite aidé par Sigmund, un robot qui va attribuer à Clank le rôle de gardien du temps. Ratchet de son côté est aidé par Quark, qui est une sorte de héros entre guillemets, un petit peu stupide. Sans Clank, Ratchet était seul dans l'univers. Seul, très seul, désespérément seul. Ce vaisseau est équipé d'un siège éjectable, tu sais. Et qui apporte beaucoup d'humour à la série. L'espace, c'est grand, immensément grand, au point que si tu y perds tes clés de voiture, il te sera quasiment impossible de les retrouver. Oh non, on va mourir. Oh, j'ai bien fait de mettre des sous-vêtements propres. Waouh. Je sais. Tant pis pour les sous-vêtements propres. Donc ces deux personnages iront de planète en planète pour choper des informations et ainsi retrouver Clank. Au cours du jeu, Ratchet rencontrera Alistair Azimuth. Donc Alistair Azimuth est un nouveau personnage de ce jeu qui est également un Lombax. Donc ce personnage a connu le père de Ratchet alors que Ratchet lui ne connaît pas du tout sa famille ni ses parents. Alistair Azimuth est le seul survivant Lombax de la Grande Guerre. Donc il va aider Ratchet à retrouver son ami Clank. Alors maintenant que je vous ai présenté un petit peu les différents personnages du jeu et également l'histoire, on va dire dans sa globalité sans trop rentrer dans les détails pour ceux qui voudraient acheter le jeu et y jouer, je vais maintenant vous dire pourquoi est-ce que j'apprécie ce jeu en particulier et pourquoi aussi j'apprécie cette série. Donc cette série a tout simplement marqué mon enfance, hein. J'ai joué depuis le début, j'ai joué à quasiment tous les jeux, que ce soit Ratchet & Clank 1, 2, 3, Gladiator comme je vous l'avais dit dans ma FAQ. C'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié de par son univers, de par l'histoire aussi, et puis le petit côté humour décalé qui fait que j'ai beaucoup aimé la série. Et cet opus du coup apporte beaucoup de par la séparation des deux personnages, on voit que ces deux personnages ne veulent pas être séparés et que chacun compte pour l'autre. Le jeu est aussi magnifique graphiquement, que ce soit au niveau des cinématiques ou même au niveau du jeu. Je vous aurais montré des images, mais là je vais vous montrer une petite cinématique pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Est-ce que je t'ai déjà parlé de mon fils? Un garçon remarquable, très malin. Il est né dans une usine de robots de la galaxie de Solana. Mais pour être exact, il a été créé beaucoup plus loin que ça. Mon fils s'appelle XJ0461, mais l'univers lui donne le nom de Clank. Ah, mon ennemi juré! Fais-moi le malin maintenant, hein? Monsieur, les Oni demandent où nous en sommes exactement. Ah! Combien de temps doit-on encore faire semblant d'être ami avec ces crétins? Monsieur ne s'en rappelle pas. Vous devez réparer. Oui, je répare. Scan de la carte sœur en attente. Très bien, voyons. Couleur préférée, vert. Nombre préféré, 83 milliards et 4,7, blablabla. Accès refusé. Sauvegarde neuronale activée. Non! Non! Ah, enfermé à nouveau. Elle est là, Lorenz. La clé pour la chambre d'Orvus se trouve quelque part dans ce cerveau. Pas de chambre d'Orvus. Votre zoniesse, si nous pouvions jeter un coup d'œil à la chambre. Pas de chambre d'Orvus. La chambre est réservée à monsieur. Enfin, à notre partenariat. Dites bonjour aux
Non, pas le brouilleur de cervelle hypersonique. Oh, brouilleur de cervelle hypersonique! Désolé, monsieur, j'aurais dû vous prévenir. L'équipement est particulièrement sensible à toutes les armes soniques. Générateur de sauvegarde activé. Nom de... Il est réveillé! Il faut l'arrêter! Ce jeu met en place de nombreuses planètes que l'on pourra visiter au fur et à mesure de l'histoire. Vous pourrez voyager entre ces différentes planètes grâce au vaisseau de Ratchet, donc ça apporte un petit peu au gameplay. Vous pouvez aussi effectuer des missions secondaires grâce à ce vaisseau, tracter certaines personnes ou alors détruire un certain nombre de vaisseaux ennemis. Vous pourrez aussi atterrir sur des sortes de petits satellites sur lesquels vous pourrez débloquer de nouvelles missions et débloquer aussi des Onis, donc, qui sont les petites créatures dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui pourront améliorer votre vaisseau. Vous pourrez aussi débloquer des petites améliorations constructo pour améliorer vos différentes armes que vous aurez achetées dans les différentes planètes. Et vous pourrez aussi collecter les différents boulons en or qui sont cachés un petit peu partout dans l'univers Ratchet & Clank. Il y a également un système d'arène, c'est-à-dire que vous pourrez rentrer dans l'arène et puis combattre et relever des défis. Vous aurez un certain nombre de défis et de trophées à gagner et à remporter, et apporter un certain côté bourrin à cette aventure. En plus de ça, dans cette même arène, vous avez un mini-jeu, donc en plus du jeu principal, vous pouvez sortir du contexte et puis jouer à des sortes de mini-jeux arcade avec le personnage de Quark, donc c'est assez sympa, ça apporte un petit peu au jeu, et puis c'est toujours cool de pouvoir sortir un petit peu de cet univers. Évidemment, donc comme vous avez pu le comprendre, c'est un jeu que j'aime beaucoup, j'essaie d'ailleurs de débloquer en ce moment même tous les trophées PSN, parce que c'est mon petit délire, voilà, de débloquer les petits trophées PSN pour arriver et finir ce jeu à 100%. Donc voilà, c'est vraiment un défi que je me pose. Et puis si vous y êtes arrivé, si vous aussi vous avez le jeu, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez réussi à débloquer tous ces trophées, si vous avez fini le jeu à 100% en débloquant, que ce soit tous les boulons en or, les onis, etc. à finir tous les défis de l'arène et à finir évidemment l'histoire principale. Donc voilà, j'ai terminé la petite présentation de mon premier jeu que je voulais vous présenter. Donc voilà, c'est un jeu qui me tient beaucoup à cœur. J'ai pas pu vous filmer les autres premiers Ratchet & Clank qui pour moi sont aussi très importants, notamment Ratchet & Clank 1 et 3 qui ont vraiment marqué mon enfance pour moi. Malheureusement, ils sont sur PS2 donc je pourrais pas les filmer. Peut-être, comme je l'ai dit, que je me prendrai un émulateur sur PC quand j'aurai mon nouveau PC pour pouvoir vous filmer quelques petits gameplays pour votre plus grand plaisir. Donc évidemment, c'est pas un coup de pub que je fais au jeu, puisque le jeu est sorti depuis longtemps. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, j'aime vous présenter mes différents jeux. Et puis voilà, s'il y a certains abonnés qui connaissent déjà cette série, n'hésitez surtout pas à me le dire, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis on pourrait parler un petit peu de cette série dans les commentaires. Pour ce qui est des prochains épisodes, n'hésitez pas à me conseiller des jeux dans les commentaires. Évidemment, je vous présenterai les jeux qui me tiennent à cœur, donc j'en ai déjà une bonne petite liste, ne vous inquiétez pas pour ça. Je tiens pas de planning particulier pour cette série, évidemment. C'est quand l'envie m'en prendra. J'étais en train de rejouer justement à ce jeu Ratchet & Clank A Crack in Time. Du coup, je me suis dit, évidemment, je vous avais proposé la série, vous aviez aimé le concept, donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un épisode sur ce jeu-là. Mais en tout cas, si ce petit épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en le likant, laisser des commentaires, c'est super important. Partagez la vidéo pour faire découvrir ce jeu à un maximum de monde, et même aussi pour faire redécouvrir ce jeu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, partagez ma chaîne à vos amis, et on va se dire à plus tout le monde pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.